Bonsoir à tous, on se retrouve pour un nouveau numéro, donc Montre-moi tes bourses reptiles. Donc cette fois-ci, c'est la cinquième édition. Donc nous allons parler de la bourse reptile de Sarger et l'élément que nous faisons chaque année et qui nous a lancé, on va dire, il y a quelques années, en 2015. Donc c'est une bourse reptile donc avec pas mal de grands exposants organisés donc par l'association Thériophile du Maine, donc l'ATM, qui fait beaucoup dans la prévention donc sur les reptiles et qui est une association active sur le but de renseigner sur la législation, sur le maintien des espèces et sur la détention du reptile en général, pour pas faire de bêtises, pour pas vraiment voilà, c'est vraiment une bonne association là-dessus. Cette année donc j'y suis allé, c'était vraiment sympa, comme d'habitude. J'ai pu voir donc les amis avec qui je suis souvent, donc Omnius Concept, Père Reptile Normandie, Jack Levener et sa femme Sabrina, Turtle Exo, Nathalie donc de Tortue Mania aussi, voilà un peu tout le monde, et c'était vraiment sympa. Donc deux jours vraiment où j'étais très actif. J'étais vraiment fatigué de rentrer parce qu'il y a quand même pas mal de demandes en conseil et tout sur les tortues. Et ainsi que les tortues présentes ont fait vraiment honneur à leur statut, on va dire. Elles ont vraiment bien bossé au niveau des enfants, principalement pour montrer leur taille adulte et ce qu'elles peuvent devenir, que la petite tortue devient vraiment très grande. Donc c'était vraiment sympa. On n'a pas fait le repas entre exposants cette année. On est parti donc avec Onios Concept et Père Reptile Normandie manger dans un restaurant. Donc c'était sympa aussi, ça m'a permis de changer d'atmosphère. Alors c'est pas une habitude que j'avais d'habitude, enfin c'est pas ce que je faisais d'habitude, mais ça a permis de vraiment d'aérer l'esprit, et même si on est dans l'effet bourse sur les deux jours, au moins il y a une période de pause et ça fait vraiment du bien. Voilà, ça aère l'esprit. Sinon dans la partie reptile, franchement, c'est tout ce qui était au niveau de la bourse, c'était pas vraiment bien géré comme d'habitude. En fait, il y a toujours mon petit emplacement à l'entrée, donc voilà, il y a une bourse que je vais continuer de faire, donc j'y serai encore en 2019, donc en faisant que de l'information, bien sûr, de la prévention, et en espérant étoffer un peu plus le stand. Voilà, mais c'est une bourse que je recommande à faire donc chaque année, même si c'est à 2-3 heures de route de Paris, ça vaut largement le coup de se déplacer pour la faire, pour être soit exposé, même également en tant que visiteur, bien sûr. Bon, allez, on se retrouve dans une prochaine édition. Salut.